Bonjour à tous. Le cuirassé Elle Bretagne, mis en service en 1913, était l'un des navires de guerre emblématiques de la marine française. Faisant partie de la classe Bretagne, ce navire était le premier d'une série de trois cuirassés conçus pour renforcer la flotte française avant la Première Guerre mondiale. Elle Bretagne mesurait environ 166 mètres de long, avec un déplacement de près de 23 000 tonnes. Il était armé de 10 canons de 340 mm montés en 5 tourelles doubles, ce qui lui conférait une puissance de feu redoutable. De plus, il possédait une protection blindée robuste et pouvait atteindre une vitesse maximale d'environ 20 nœuds grâce à ses turbines à vapeur. Pendant la Première Guerre mondiale, Elle Bretagne joua un rôle crucial dans les opérations navales en Méditerranée, participant notamment au blocus de l'Adriatique contre les forces austro-hongroises. Après la guerre, il continua à servir dans la marine française, subissant plusieurs modernisations pour rester compétitif face aux avancées technologiques. Bien que la France et la Grande-Bretagne aient été alliées au début de la Seconde Guerre mondiale, la situation changea après la capitulation de la France face à l'Allemagne en juin 1940. Le gouvernement de Vichy, qui collaborait avec les forces d'occupation allemandes, était en place, et les Britanniques craignaient que la flotte française tombe entre les mains des Allemands. C'est pourquoi, le 3 juillet 1940, la Royal Navy britannique lança l'opération Catapulte pour neutraliser la flotte française à Mer El Kébir en Algérie. Cette attaque visait à empêcher les navires français de rejoindre les forces de l'Axe. Le cuirassé Bretagne fut effectivement coulé lors de cette attaque, causant la mort de plus de 1000 marins français. Cet événement tragique reflète la complexité et la brutalité des décisions militaires en temps de guerre, même entre anciens alliés. Le Bretagne était un cuirassé dreadnought de la marine française, le premier de sa classe. Mis en service en 1913, était le navire de tête de la classe Bretagne, qui comprenait également les cuirassés Provence et Lorraine. La conception du Bretagne s'inscrivait dans une évolution des cuirassés vers des navires tout gros canons, suivant l'exemple du HMS Dreadnought britannique. Le cuirassé Bretagne a été conçu par l'ingénieur naval français Jules Thibaudier, qui travaillait pour la direction des constructions navales, DCN. Thibaudier et son équipe ont développé le design de la classe Bretagne dans le cadre des efforts de modernisation de la flotte de la marine nationale française au début du XXe siècle. Leur objectif était de créer un cuirassé puissant et bien protégé, capable de rivaliser avec les autres grandes marines de l'époque. La quille fut posée sur la cale de l'arsenal de Brest le 1er juillet 1912, et le navire fut lancé le 21 avril 1913. Les travaux furent achevés le 1er septembre 1915. Comme armement principal, il portait 10 des nouveaux canons de 340 mm disposés en tourelle double. Deux sur la ligne de crête à l'arrière, avec la plus proche du pont surélevé, deux autres dans la même situation à l'avant, et une autre également sur la ligne de crête au milieu du navire, qui pouvait tirer sur les deux côtés, mais pas en chasse ni en retraite. Ces pièces de 340 mm provenaient des navires annulés de la classe Normandie. Le navire était doté d'une coque fortement blindée pour résister aux impacts des obus ennemis, avec une ceinture blindée atteignant jusqu'à 270 mm d'épaisseur. Après son achèvement et sa mise en service en septembre 1915, le Bretagne fut affecté à la première escadre de la flotte de la Méditerranée. Cette flotte avait pour mission principale de maintenir le blocus naval contre les puissances centrales, en particulier l'Empire austro-hongrois, en contrôlant l'accès à la mer Adriatique. Le Bretagne a participé à plusieurs actions importantes pendant la guerre, notamment la bataille de la Marne, 1914. Le Bretagne faisait partie de la force navale alliée qui a bombardé les positions allemandes sur la côte belge. Ses tirs d'artillerie ont contribué à repousser l'avancée allemande et à sauver Paris. La bataille de Jutland, 1916. Le Bretagne a été l'un des principaux navires français engagés dans cette bataille, la plus grande bataille navale de la Première Guerre mondiale.
Il a subi de lourds dégâts, mais il a également infligé de graves dommages au navire allemand. La campagne de Dardanelles, 1915-1916. Le Bretagne a été déployé dans les Dardanelles pour appuyer le débarquement allié. Il a participé à des bombardements côtiers et a repoussé des attaques navales turques. Le Bretagne a également été utilisé pour traquer les raiders allemands dans l'Atlantique. Il a contribué à la capture de plusieurs navires ennemis. En plus de ses actions spécifiques, le Bretagne a également joué un rôle important dans la dissuasion de la flotte allemande. Sa présence en mer a empêché les Allemands de lancer des attaques à grande échelle contre les navires alliés. Pendant la guerre, le Bretagne subit plusieurs modernisations pour améliorer ses capacités de combat. Cela incluait l'ajout de nouvelles pièces d'artillerie anti-aérienne pour contrer la menace croissante des avions ennemis. Cependant, malgré ses capacités impressionnantes, le Bretagne et ses navires jumeaux étaient confrontés aux défis posés par les sous-marins ennemis, une menace constante en Méditerranée. À la fin de la Première Guerre mondiale, le Bretagne avait contribué de manière significative à la stratégie navale alliée en Méditerranée. L'équipage du Bretagne a été décoré de nombreuses médailles pour sa bravoure et son dévouement. Son service exemplaire pendant la guerre illustre l'importance des cuirassés dans le maintien de la supériorité navale et la protection des lignes de communication maritime. Le Bretagne a joué un rôle moins important pendant la Seconde Guerre mondiale que pendant la Première Guerre mondiale. En raison de son âge et de son obsolescence, il n'a pas été engagé dans les combats majeurs de la guerre. Il a été attaqué par des avions allemands à plusieurs reprises, mais il n'a jamais été gravement endommagé. Servant en Méditerranée, le Bretagne navigua vers Mer el-Kébir après la chute de la France en 1940. Les Britanniques, craignant que la puissante flotte française ne tombe aux mains des Allemands, décidèrent de lancer une attaque préventive contre elle. Après un ultimatum exigeant leur reddition, l'attaque des cuirassés britanniques HMS Valiant et HMS Résolution, ainsi que du croiseur de bataille HMS Oud. Le Bretagne fut coulé par le feu naval de ses trois navires lors de la destruction de la flotte française à Mer el-Kébir le 3 juillet 1940, entraînant la perte de 977 marins français. Il fut renfloué en 1952 et ensuite démantelé.
Merci pour avoir regardé.